Alors, au fond, le patrimoine culturel du Saint-Eustache, dans le fond, est né d'un échange qu'on a fait avec un comité à la Corporation du Bien-Égalé, où on travaillait sur notre image de marque. Et le patrimoine culturel du Saint-Eustache est sorti à ce moment-là. Et maintenant, l'organisme s'appelle Patrimoine culturel du Saint-Eustache. Et la Corporation du Bien-Égalé est devenue, en fait, une entité juridique. Donc, le conseil d'administration, c'est le conseil d'administration de la Corporation du Bien-Égalé. Et pour le grand public, c'est le patrimoine culturel du Vieux-Saint-Eustache. Alors, comme je disais tantôt, la corporation du Moulin-Légalé, c'était ce qu'on appelait le nom de l'organisme. Et ça laissait sous-entendre qu'on gérait, le conseil d'administration gérait que le Moulin-Légalé. Alors que c'était pas vrai. On a toujours géré des salles d'exposition, on a géré des circuits également. On a aussi le moulin, évidemment, c'était un lieu de visite, mais le manoir Globinski, il y a toujours deux, trois expositions. Il y avait aussi l'église Saint-Eustache l'été, où on a des visites commentées par un guide, et maintenant la maison Chénier-Sauvé. C'est les quatre terrains que maintenant le patrimoine culturel du Saint-Eustache maintenant fait au complet. La corporation le faisait, mais on avait toujours l'impression que c'était juste le moulin. L'autre aspect, les circuits. Les circuits, on n'en parle pas beaucoup. On a trois circuits cet été. Je prends mes notes. Circuit historique du vieux Saint-Eustache. On a le circuit du cimetière à Saint-Eustache, parce que ceux qui sont déjà allés à Paris savent qu'il y a des circuits aussi dans certains cimetières. Et on a le circuit sur les traces des patriotes. Donc, il n'y a pas juste des expositions, il n'y a pas juste un moulin, il y a aussi des circuits où les gens peuvent venir à partir du manoir Globinski, aller faire des circuits. Bon, ici, on est au manoir Globinski, on a ce qu'on appelle l'espace muséal du manoir Globinski. Il y a trois expositions qui vont débuter à partir du 20 juin jusqu'à la fin août. Le premier, qui est une exposition permanente, la rébellion des patriotes, évidemment. Ça, on a ça depuis bien des années, plusieurs années, au fond. Et on a deux expositions temporaires, là où on se trouve actuellement. Ce sont des photos d'Antoine Desilets, que plusieurs personnes ont connu, un ancien photographe de la presse, qui a même été aussi photographe au jour, et qui, son fils, qui est maintenant député à Ottawa, a produit 75, pas loin de 100 photos où les gens peuvent venir visiter l'ensemble de l'œuvre de son papa, qui était Antoine, qui est très connu. Il va y avoir aussi également bientôt, je prends mes notes, ça s'appelle le pèlerinage rural, les croix de chemin et chapelles des rangs de Saint-Eustache. Je dis des rangs parce qu'il n'y avait pas juste un rang à Saint-Eustache, il y avait quelques rangs. Donc, les gens vont pouvoir voir les croix de chemin, les chapelles qui existent encore en passant. Et ça peut être fort intéressant, pas juste pour les locaux, mais pour les gens de la région, puis même les gens du Québec, parce que ça existe partout, des croix de chemin. Bienvenue, on vous invite à venir visiter l'espace muséal durant l'été. J'ai parlé tantôt qu'il y avait une exposition permanente sur la rébellion des patriotes. C'est une exposition qui est ici depuis une vingtaine d'années, en fait, qui est notre image de force. C'est, dans le fond, on part de 1837, c'est, évidemment, vous connaissez les événements de 1837. Donc, c'est une ligne de temps. On veut garder en mémoire ce qui s'est passé à Saint-Eustache. Donc, c'est une exposition aussi qui est à visiter, qui est là quand même depuis, je disais tantôt, une vingtaine d'années, et que j'invite les gens à venir voir. Il y a des guides qui peuvent commenter cette visite-là, qui en vaut le détour. Alors, je voulais aussi mentionner que l'équipe du patrimoine culturel du Saint-Eustache a développé ce qu'on appelle un cahier. Le patrimoine sort de ses nœuds. C'est un cahier qui est fort intéressant parce qu'il couvre les quatre lieux dont je vous ai parlé tantôt, la maison Chénier-Sauvé par exemple, l'église, le moulin Légaré et évidemment l'espace muséal. La famille peut venir avec les enfants, les adultes peuvent compléter un cahier et faire le tour au fond du quartier Vieux-Saint-Eustache. Encore une fois, c'est une belle activité à faire en famille et ça a été développé ici à l'interne par l'équipe de patrimoine culturel Vieux-Saint-Eustache.
Alors maintenant, le moulin Légaré. Le moulin Légaré, ce qui est intéressant, c'est en fait c'est le plus vieux moulin en opération qui est actionné à l'eau. Il date de 1762. Cette année, ça va faire 260 ans que le moulin est en opération. Nous avons deux meuniers pour l'opérer et ça permet au grand public de venir visiter le moulin, toute l'opération, comment on fait la farine, comment l'eau entre dans le moulin, comment c'est actionné pour faire, si on veut, la farine que vous achetez. Donc, on est très fiers de montrer ce moulin-là. Il est à la fine pointe, malgré tout. Après 260 ans, il fonctionne très, très bien. Et vous allez avoir le plaisir d'acheter de la farine à bas prix, en fait, produite par des artisans d'ici, produite par nos deux employés qui sont nos deux meuniers. Alors, en terminant, j'invite la population à venir visiter, à venir voir toutes les activités estivales que la Corporation de Légaré, mais le patrimoine culturel du Saint-Eustache va offrir à la population. Et comme je disais tantôt, il y a des visites des lieux, il y a des visites commentées, on a des guides, on invite les gens à venir voir aussi les salles d'exposition, et il y aura aussi des tournées il y a trois circuits, en fait, que les gens peuvent adhérer. Et évidemment, comme je parlais tantôt, le moulin Légaré que vous pouvez également visiter et acheter des produits. Donc, j'invite la population à venir entre le 20 juin et le 28 août, qui va couvrir l'ensemble des activités estivales qu'on offre à la population. C'est une très belle offre de service et ça vaut le déplacement. Merci.